Bonjour à tous, et dans cette vidéo, nous allons faire tout ce que vous aimez de plus sur Gmod. Un maire qui a un faux mur avec des printers et une nuque. Mais c'est tout ce que vous adorez, non? Donc si vous voulez me faire vraiment très plaisir, c'est de liker cette vidéo. Toutes les personnes qui feront ça, je les remercie d'avance. Merci beaucoup. Et les gars, ça fait quelques temps que je vous cache quelque chose. Un nouveau projet secret, un nouveau serveur que je vais ouvrir. Cette fois-ci sur Garry's Mod. Je vous laisse rejoindre les Discord qui s'affichent là. C'est celui-là. C'est les mêmes. Il est aussi dans la description et il est aussi dans les commentaires. Rejoins le Discord, mon ami, ça va te plaire. Et l'ouverture du serveur, ce sera ce vendredi. Ok, les gars, pour commencer cette vidéo, je me mets évidemment métier maire. Voilà. Me voilà maire de ma mairie. C'est le principe, techniquement. Vous voyez la série, la série qui s'appelle Game of Thrones et tout. Et ben dans Game of Thrones, ils ont un trône. Le gars Joe, je sais pas, parce que j'ai pas tout regardé, mais je sais qu'il y a un trône de fer. Et ben je vais faire pareil, mais un trône de nuque. Bah oui. C'est le minimum à avoir au bout d'un moment. Quand on veut être maire de la ville. Ah, est-ce que vous êtes garde? Enchanté. Excellent. Monsieur le garde, est-ce que c'est normal que j'ai aucune sécurité alors que je risque la vie et la mort toutes les secondes? Donc, je vais vous faire un plan de construction très simple et détaillé. Donc, vous allez me faire un mur qui suit cette longueur-là, qui va jusqu'à là. Jusqu'à là. Voilà, jusqu'ici. Ici, vous me remettez un mur qui va là, qui ira jusqu'à là. Attendez, parce que là, c'est compliqué, là. Voilà, jusqu'à là, je pense. Hop, vous me refermez le mur ici. Ici, vous me bloquez cette porte-là. Ici, vous laissez l'ouverture ici pour la porte. Comme ça, ça fera double entrée. Et voilà, c'est tout. Hein. Donc, le mec qui rentrera, il est obligé de faire tout le tour. Ici, vous me fermez aussi la porte-là. Elle sert plus à rien. Et il s'arrêtera ici. Sauf que vous me faites une double porte-là avec double keypad. Un keypad ici, hein. Un keypad là. Et le mec, c'est un plan de construction de maison. Comme ça, le mec, avec un keypad que tu auras ici et là pour toi, tu pourras pouvoir rentrer à l'intérieur, l'ouvrir, regarder s'il a des armes, réouvrir là, et voilà, c'est bon, t'as compris ou quoi? Allez, à vos armes, monsieur le maire. Et niveau hauteur, pas jusqu'en haut, voilà, jusqu'à là, je pense que c'est correct, niveau hauteur. Bon, allez, je vous laisse construire ça. Je pense qu'on va avoir fini la vidéo, il aura toujours pas fini de construire ça. Alors moi, mon trône de nuque, je vais pas la faire tout de suite, parce que là, pour le moment, si des flics, ils arrivent, à tout moment, ils m'arrêtent en une seconde, je vais déjà travailler sur mon faux mur. J'aimerais bien trouver ces bibliothèques. Comment on écrit bibliothèque en anglais, hein? Mathilde, bibliothèque en anglais. Aucune idée. Je crois que c'est bibliothèque. Librairie. Bon, je retrouve rien. Mais je sais que c'était dedans. Hein. Moi, quand je jouais à Garry's Mod dans les années 80-82, c'était dedans. Ah, je viens de le trouver. C'est bookcase. Et ça va être le même. Oh, regardez, c'est le même. Et de l'autre côté, c'est le même. Oh là là. Oh là là. Ça va être bien, ce coin, là. Je le mets bien au milieu. Je vais mettre ici ma librairie. Bon, alors là. Non, mais alors là. Mais alors là. Là, c'est beau. Voilà. Maintenant, je le mets ici. Mais alors, oh, je m'en remets pas. Ok, donc là, il faut qu'on le mette contre le mur. Je me demande si je dépasse de l'autre côté, hein, néanmoins. Parfait. Et ici, je pourrais faire mon ouverture là, au pire. Attends, est-ce que ça dépasse? Même pas. Attendez, je vais regarder où il en est, mon collègue. Ah oui, d'ailleurs, le mur, je veux que ça soit un mur vitré. À vos ordres. Vous pouvez retourner en arrière. Hein. On recrute pas des gardes du maire. J'ai pas besoin de plus de personnes, normalement. J'ai bien dit normalement. J'aimerais bien que ça soit fit à la porte. Ok, donc là, on a bloqué la porte. Donc, je vais essayer de la déboîter manuellement. Ok, peu importe, la porte est bloquée, mais c'est pas grave parce qu'au final, on va pas avoir besoin d'avoir la porte fermée. Voilà, je recule tout. Et en même temps, ça me donnera plus d'espace de l'autre côté. Hein. Carré, carré, carré. En fait, je vais mettre tous les murs comme ça. Mais alors là, mais c'est ouf l'idée qu'on a eue là, les viewers. On est vraiment trop malin. Attendez, je vais manger les portes. Voilà, voilà, parce que les portes, elles... Je vais dire des mots, frérot, mais c'est des mots, frérot. Ils sont bannés par YouTube, mon cousin. D'ailleurs, par rapport à ça, les viewers, les propos qui sont mal vus par YouTube, hein, où tu peux te prendre une démonétisation et tout, qu'est-ce que vous en pensez, les viewers, en tant que spectateur? Je suis en train de mettre le truc qui est au-dessus de la porte. C'est un peu galère parce que de l'autre côté, il n'y avait pas de texture, le frérot. Ouais, ça peut faire un style, un petit style. Si on serait malvoyant, tu vois, par exemple, pourquoi pas. D'ailleurs, les gars, je viens d'apprendre un truc il n'y a pas tellement de temps. Vous savez qu'avec l'AD27 duplicateur, on peut le tourner comme ça. Moi, je ne savais pas. Et ben, en fait, il suffit d'appuyer sur E. Et si tu appuies sur Shift, regarde, t'as les blocages, genre 90 degrés et tout. Mais c'est ouf ça. Mais quand tu regardes en haut à gauche, normalement, ils disent les boutons et tout. Mais j'ai jamais fait gaffe ou j'ai jamais vu. Mais en tout cas, ça m'a, je peux le dire, changé ma vie. Oui, je peux le dire sans détour. C'est quelque chose qui m'a ouvert vers les autres. Depuis, on peut dire que je suis un homme meilleur. Oui, on peut le dire. Regardez, pas mal la pièce, frérot. Bon, attends, au final, je vais le ressortir du mur parce qu'en vrai, c'est mieux comme ça. Incroyable, j'adore lire. C'est pas vrai. Enfin, c'est pas que j'aime pas lire, c'est plutôt que déjà je regarde pas de série Netflix ou quoi que ce soit parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Alors lire chocolat. Venez voir, monsieur. Venez voir. Eh, vous respectez pas mes plans? Si,
vous inquiétez pas. Regardez, hein, je me suis livré mes bibliothèques. Oh bah c'est magnifique comme ça. Ouais, parce que je trouvais qu'il manquait des livres. Il y avait quoi ? Il y avait pas des canapés ici avant ? Bah j'ai tout retiré, j'ai même retiré les vitres. Hein. On n'est pas là pour voilà, je crois pas moi. J'ai rajouté une rangée de livres en bas là, ici les gars, regardez, en dessous du tableau. Voilà, regardez, mais c'est encore meilleur. Mais bien sûr que c'est meilleur. Voilà. Oui, parce que en fait, s'il y a 1 cm² et qu'on peut mettre un livre, on va le mettre. Regardez, on peut mettre des livres dessus. Je vais mettre des livres dessus. Hein. J'adore lire. Non, pas vraiment. Toujours pas. Et ben voilà. Des livres au-dessus, des livres en dessous, des livres partout, j'adore. Est-ce que je mettrais pas des livres en haut ? Ah oui. Ah oui, je vais mettre des livres en haut. J'adore. Non, toujours pas. Non, j'allais dire un truc, mais bon, c'est quand même dommage parce qu'on avait quand même une belle vitre au-dessus, mais bon, tu sais, dans la vie, quand t'adores lire, c'est un peu le minimum. Ben voilà, regardez. Hein. Oh là là, encore mieux. Encore mieux ou quoi ? Et que je pourrais même avoir des livres incrustés dans mon bureau. Mais excellent ce bureau, regardez. Hein. Un bureau livre, on l'appelle. Alors, de l'autre côté, j'en ai profité pour mettre des livres et des livres en bas. Des livres là. Eh, venez voir mon nouveau bureau. Hein. Vous en pensez quoi de mon nouveau bureau. Magnifique, ça montre que vous avez envie de vous instruire. Ah, j'adore les livres. Par contre, à tout moment, il y a une araignée qui me tombe là sur la tête à cause d'un livre. Ouais, bah, vaut mieux que ça soit une araignée et pas un livre de 10 kilos. Hein. Donc là, maintenant, on va cacher le kepa à l'intérieur d'un endroit. Ça va être compliqué, les gars, parce que là, en vrai, ça peut se cramer assez facilement, je trouve. Ou sinon, allez, regardez, je mets mon kepa ici. Je mets ma petite poubelle âge. Ici, âge. Voilà, bah voilà, nickel. Bon, par contre, faut pas faire tomber ma poubelle. Fading d'or. Voilà. De l'autre côté, je mets un... Oh, mais alors là, mais c'est encore plus cheaté quand même. Non, là c'est cheaté. Donc je link l'ouverture. L'ouverture, elle est un peu... Parce que faudrait que je mette ça aussi en fading door. Parce que sinon, tu peux pas passer, quoi. Attendez, regardez, je vais vous montrer. Bah voilà. Bon, par contre, faudrait juste que je replace un peu mon... Ou sinon, je le mets un peu transparent, tu vois. Parce que je suis un gros tricheur. Voilà, nickel. Transparent comme ça. Le keypad. Le problème, c'est qu'il a une couleur, quoi, le keypad. En fait, je pourrais peut-être trouver une couleur un peu de... Voilà, un peu comme les livres. Ça va être compliqué, mais bon. Ah ouais, regardez. Non, en vrai, tu le vois pas. Et tu sais que je pourrais même retirer la poubelle, parce que la poubelle, limite, ça permet de cramer, tu vois. Non, en fait, c'est cramé à mort. Hein. C'est vraiment cramé à mort. Mais c'est pas grave. De toute façon, la police, elle utilise même pas ça. Elle utilise même pas ça, la tricheuse de police. Elle pète direct avec leur bélier. Mais bon, déjà, le bon truc à péter dans tout ça. Chocolat. Ça, je te le dis, mon pote. Donc là, on va mettre peut-être pas ça parce que c'est trop gros. Ça dépasse. Ça, c'est bien. Voilà, comme ça, je peux mettre mes kepas dedans. Hop, printer. Et vu que je suis VIP, je peux en faire spawner. Je suis un peu plus que VIP quand même. Hein. Je suis comme fondateur. Voilà. D'ailleurs, si vous cherchez un nouveau serveur Dark RP, venez sur le mien, SunsetG. Et si vous êtes curieux, j'ouvre un tout nouveau serveur. Donc, rejoignez l'adresse Discord qui est là, les amis, ou dans la description. Ça, je vous le dis. Ça va vous plaire, ça c'est sûr. Bon, ça je mets en bois par souci de roleplay parce que moi le roleplay hein, c'est quelque chose que j'adore. McGarrett, venez à mon bureau tout de suite. Regardez le gros bête, je suis caché dans un livre. Mais dites-moi, patron. Ah, d'accord. Bon, j'ai presque fini les constructions, j'en ai encore pour 2 minutes grand maximum. Ok, j'espère que c'est en vitre. Ah, c'est presque en vitre. Et oui, attends. Oui, patron. Ouvrez. Oui. Donnez-moi vos printers. Ah, ouais, attends, j'ai une bonne idée. À vos ordres, chef. Je vais faire venir des joueurs et je vais leur voler leur printer. Mais alors là. Et dites après qu'on recrute des gens, enfin, non, qu'on prend des rendez-vous et les gens vont leur voler leur printer. Ok, c'est parti, bah j'en ai pour quelques secondes encore et je fais tout à vous. Ouah, mais alors là, j'ai une super bonne idée hein. Donc les printers, pour en mettre un maximum, il faudrait que je mette, hop, comme ça. Excellent. Voilà, les deux printers sont ensemble. Hop, je rajoute leur grand frère. Et lui, il est jaloux, donc il vient avec nous aussi. Voilà, le problème, c'est que tous les joueurs seront pas VIP. Tu vois ce que j'ai à dire ? Argent, 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 argent. Je vais déjà faire des pubs. La mairie est ouverte, vous pouvez venir. Johnny Joe. Il faudrait un endroit pour tuer les gens sans que ça soit suspect. Au final, pas obligé d'être transparent. Au final, je vais cacher comme ça parce qu'en fait, pourquoi je cache ? Pour éviter que les mecs voient si je tue des gens, tu vois. Quand le mec, il va être là, il va pas voir à l'intérieur du bureau ce qui se passe. Je mets pas le reste des murs transparents. Vous voulez que je mette dans une couleur particulière ? Laissez ça comme ça, c'est bien. Vous avez fait le double sas ? Non, pas encore. Parfait, regardez-moi ça. C'est d'une certaine beauté. Donc là, je peux déjà mettre mes petites nuques. Vous êtes pas obligé d'avoir un kepad qui fait un bruit de merde. Hein. Je vous le dis que vous êtes pas obligé. Hein. Normal, le kepad, frérot, c'est un coup de pression. Hein. Voilà, hop. La chaise de Game of MK. Voilà. C'est beau en vrai. Hein. Ah non, c'est vrai qu'on n'a plus le droit de dire ça. Mince alors. Voilà, c'est mieux, mince alors. D'accord, on va attendre dehors. J'ai déjà dit qu'on était ouvert. À... Ok, regardez comment je suis stylé derrière mon bureau. Il faudrait que j'ai un truc pour les tuer discrètement. Ou ça dépend. S'ils sont en groupe. Vous êtes venus, ça oh.
Ah bah oui, hein. Faut mieux être seul que mal accompagné, monsieur. Oui, d'ailleurs, faut que je sauvegarde ma construction. Là. Ça serait pour une licence d'armes, monsieur. Attendez, oui, pas que je sauvegarde. Excusez-moi. Il y a plus de respect. Là. Bah, c'est vrai qu'il faut sauvegarder les belles constructions comme ça. Ok, tu l'as retiré ses armes. Oui. Invite-le gentiment à sortir ses deux printers là qu'il a sur lui. Ah d'accord. Donc ça se passe comme ça maintenant là. C'est les taxes, c'est les taxes. Dépêchez-vous de sortir vos deux printers. Du coup, vous voulez que je vous les mette où mes printers? N'importe où, n'importe où. Et je vous donnerai votre licence d'armes. Si vous voulez, j'ai une bouteille de rosé en plus à vous passer, si vous voulez. Parfait. Vous bougez pas. Votre licence. Tiens, une licence. Hop, tu peux aller te faire voir maintenant. Oh non, je dirais rien à la police. Tu peux dire ce que tu veux, il y aura zéro preuve. Allez, casse-toi maintenant. Je voulais voir avec vos lois, est-ce qu'on peut autoriser les printers pour moi? Non, t'en auras plus de façon. Et barre-toi maintenant. Tu sais bien fait avoir. Voilà. Et je vais m'enrichir là avec cette technique de vilain là qu'on a fait. Voilà. Quoi, tu lui as rendu ses armes? Tu es bête, McGarrett? Mais il a même pas d'armes, c'est juste pour que je lui rende ses clés. Bon, il aura plus le droit d'avoir ses clés, bien fait pour lui. C'est ça maintenant les taxes. Donc les deux portes sont bloquées, le double ça c'est fait et tout le parcours est fait. Parfait. Maintenant, faites-moi venir du monde. Allez, c'est parti. Ma base à printer va pas sortir toute seule. 6 000 $, 6 000 $, 6 000 $, 6 000 $, 2 000 $, 2 000 $. Oh là là, c'est beau quand même. La meilleure base, c'est la mienne. La meilleure base, c'est la mienne, mon Johnny. Je t'ai déjà volé tes printers, toi. T'as pas des membres de ta famille à faire venir ici? Allons voir la personne qui vient. Bonjour, monsieur. Bonjour, c'était pour vous parler, en fait. J'ai besoin d'un renseignement. Ouais, tu vas voir, on va te renseigner. Allez, venez, monsieur. C'est quoi le renseignement? Ouais, c'est comme Game of Thrones. C'est Game of Nick. Ah d'accord, c'est vachement logique. Oui. Monsieur, en fait, c'est... peut plus faire de la drogue, etc. Ah ouais. Genre la police, ils viennent sonner toutes les deux secondes. Alors, la police. Savoir si dans les lois, on pouvait autoriser la drogue. Ouais, je vais réfléchir à ça. La taxe pour cette demande, c'est de poser à vos printers là ici. Je suis déjà en train de printer moi. T'as plus de printer sur toi là? Ah non, je peux en poser qu'un, monsieur. Ok, colle une balle, McGarrett. On n'a pas besoin de lui. Non, c'est bon, je le ramène. Nana, il va pas le ramener, c'est un menteur de. Tire une balle. Non, moi je vais le faire. Grosse balle, petite balle, grosse bastos. Je veux la règle, monsieur. Allez, va chercher ton printer. Dieu a décidé que tu mourrais pas aujourd'hui. Si t'as pas ton printer dans les 10 minutes, je demande à tous les flics de la ville de te chasser. Oui, c'est bon, je ramène. Vous êtes vraiment méchant, monsieur. Ah non. Eh, il fait une demande, il a cru que c'était gratuit. Pas gratuit. Bonjour, monsieur. Bonjour. Messieurs, rentrez. On va vous fouiller, monsieur. Je vous laisse vous mettre contre le mur. Ah oui, fouillez-moi. Vous êtes ensemble? Ah, j'adore les gens qui sont ensemble. Ah oui, on est ensemble. Bah, on a l'impression que c'est l'anniversaire de votre ami. Allez, rentrez, monsieur. Ah ouais, il y a beaucoup. Oh là. Vous êtes un grand lecteur, monsieur. J'adore lire. C'est quoi votre livre préféré? Minecraft. Ah d'accord. Vous venez pourquoi? Bah, une licence d'armes. Ok, licence d'armes. Le prix pour avoir une licence d'armes, c'est de poser vos printers. Ah, bah alors moi, je les ai pas posés, malheureusement. Oh punaise, ça me plaît pas là d'entendre ça. Je rigole, monsieur le maire, je rigole. Donne-les tes printers. Moi aussi, je vais les donner mes printers. Ah, ouais, et deux. Voilà, ok. C'est bon, j'ai donné mes printers. Attendez, maintenant, je vous donne la licence. Chose promis, chose dit. Oh, mais ça, c'est incroyable ça. C'est bon, vous avez tous les deux une licence. Maintenant, vous allez déguerpir. Bisous, monsieur, au revoir. Allez, gros bisous, au revoir. Super cordial, ces deux-là. Oh mon dieu! Rendez-moi mes printers. Oh mon dieu! Repartez! Battez-vous en repartant. Il y a un gars qui va récupérer ses printers. Ah mais j'ai plus d'armes. Moi je suis déjà caché dans ma petite botte. Moi je suis bien. Ah mais ça c'est grave. Les bonhommes ils sont ici. Bon, on en est où au niveau de la finance? 7 000 7 000 7 000 7 000 2 000 2 000 7 000 7 000. Alors là. C'est la première fois qu'on se rend à aussi bien sur une vidéo. Monsieur, on les a pu vos printers. Monsieur, on les a pu. Comment ça? Essaye pas me la mettre à l'envers. Je me casse ici, regardez. Voilà, je passe par derrière. C'est bon, problème réglé. Attention, vous avez la même sentence si vous faites quelque chose avec votre hacker. Allez, on repart tout doucement. Allez, très très gentil. Au revoir, madame la mère. Bisous. Ils ont pris 10 balles. Et donc, je disais, et toi, t'as pas de la mienne à inviter? Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Ah, derrière, il y avait le mec qui devait ramener son printer d'ailleurs. Je pense qu'il va pas jamais revenir. Je pense qu'il va revenir avec la police. Tu penses? Les printers se portent bien, les vivards? Regardez comment ça marche bien. C'est vraiment de la belle technologie, ça, les printers. C'est vraiment quelque chose de bien, je trouve. Bonjour, monsieur, c'est moi. Ramenez votre printer, monsieur. Ah, oui, c'est là mon printer. Sauf qu'ils sont bloqués dans l'ascenseur. J'arrive pas à le montrer dans les ascenseurs. Il est en bas? Attendez, j'y vais. Ah oui, il est là. Ah oui, c'est vrai que c'est pas prêt pour monter l'escalier aussi. Hop, allez. Ça c'est beau. Et votre deuxième printer, parce que ça c'est le printer numéro 2, ça. Gros menteur. Ah donc les autres ils m'ont peut-être bien. Le rouge c'est le principal. Donc là vous êtes en train de me dire c'est les autres qui m'ont bien eu. Hein. Ah ouais, c'est vrai que c'est les autres qui m'ont bien eu. Non, c'est écrit printer. Le là c'est écrit printer, c'est écrit printer 2. Non, c'est vous mentez. Monsieur, les prix ils sont trop chers dans la ville. J'ai pas assez d'argent. Alors qu'est-ce qu'on fait, monsieur le maire? Encore une balle? Non, il est gentil. Hein. Bon, réfléchira à la loi. On va rien faire du tout, hein, pas personnellement. J'ai autre chose à vous parler. Oui. Comme je suis pauvre, oui, je voulais savoir, est-ce que si vous vendez, je sais pas, ou en argent ou en printer, les avantages VIP de la ville. Mais il est malade de demander ça comme ça? Ah bah là j'étais obligé là. Là j'étais obligé. Hein. Le maire sale voleur qui écrit. Bon bah j'étais obligé. Hein. Bah bonjour monsieur. Ah mais c'est les mêmes, hein. Je reconnais le visage. Malgré la coupe de cheveux. Non, c'est pas vrai.
Il va essayer de nous voler. Ah, mais je crois qu'il y a la police. Monsieur la police, on a deux voleurs, venez nous aider. Et je vois votre tête, elle dépasse de 15 km. On a deux voleurs. Allez, la police. La police, il nous a volé. Monsieur la police. Monsieur la police. Ok, attendez, je me cache. Je me cache ici, je me cache ici, les voleurs. Ok, j'ai récupéré tout l'argent là. Ok. Bonjour. Monsieur, les deux chauves avec une perruque nous ont attaqué. Oui. Ah oui. Ok, les flics sont là. Bah, c'est une bibliothèque, monsieur. Je me cache, je sors pas. On est au bureau de la petite ville actuellement. On peut y aller. Comment c'est possible? Parce que je viens de le voir à l'instant T ici. Attends, je vais jouer avec sa tablette. Ils sont du traceur qui a sur lui aussi. Quoi, il y a un traceur sur moi? Il a traceur sur sa tablette de tricheur. Tiens, son traceur, t'es exécuté. C'est bon, ils sont partis ou pas? Eh, vous, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? En fait, j'ai vu l'annonce du PPA gratuit. Vous avez un printer pour payer? Écrit gratuit, écrit offert, bien grand. Ouais? Bah, ça vaut un printer maintenant. Oui, mais monsieur, moi j'ai pas de printer. Ah ouais? Bah, vous payez quand même. J'ai un copain qui vient de m'en donner. Bon, écoutez, si j'ai pas le printer dans les 20 prochaines secondes, vous allez refaire les murs de ma bibliothèque avec mon AK-47. Okay, ok, c'est bon, je vais vous la chercher. Monsieur McGarrett, il y a des printers. Ça, c'est une menace, ça. Ça, c'est une première menace. Et je te prends, là. Ils sont dans ma maison, là, monsieur. Bande de tarés, je vais jamais revenir avec le printer. C'est pas grave, on te retrouvera. Vous me retrouverez jamais. Bande de grosses, vous me retrouverez pas. Et je vais revenir avec des armes, tous vous raffolent. Why? Oh mon dieu! Donc nous sommes un peu au milieu du terrain! Oh merde, il y a des journalistes. Mais Oh, il y avait la presse. Ok, la presse a été traitée. Ok, oh, ils reviennent. T'as regardé la caméra d'en bas là, il y a les flics en bas. Ça, ils ont vraiment été petite ville. Ils étaient vraiment là. Oh les seuls. Ça, tu vois, ça c'est jouer son roleplay. Demande au flic qui est en bas de monter là. Il y a un flic qui est tout seul en bas. Dis-lui de monter sans le menacer. Hein. Tu lui dis de monter, il y a le maire, mais genre en mode off, venez. Ouais, je vais trouver. Et quand ça, on le braque. Là, il y a un flicos qui est tout seul, les gars. Il y a un moyen là. Là, il y a moyen. Regardez, il est là. Monsieur le policier, on se fait attaquer en haut, s'il vous plaît. Et bête ou quoi, il va venir avec 50 collègues. Non, rien, il peut pas bouger. Oh, il peut pas bouger, donc il l'a chopé. Il y a les flicos qui arrivent. Oh, il est dans la. Les flicos, ils sont juste là. Ah non, ils rentrent à la base. Peut-être eux qui viennent. Dans... Oh. Où il est en train de le prendre et il y a un seul qui est en train d'arriver. Oh non! Appuie sur le bouton, McGarrett! Il a bloqué l'entrée, monsieur, personne pouvait entrer à cause de lui tellement il est gros. Là, on va être chocolat. On va être chocolat, McGarrett, j'ai tout vu, là, il y a la caméra. Je pense que notre règne se finit là. Hein. Après, on peut toujours faire une appel 911 comme qu'on sait. Les flics arrivent et quand ils sont là, on les braque. J'ai regardé, vu la caméra d'en bas, ils sont en train de tout bloquer, donc à mon avis, pas tarder avant de les voir. Et on pourra pas braquer plusieurs flics. La cavalerie des flicos est en train d'arriver, les gars. Oh là 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 là. Je pense avoir du monde à la mairie en plus. Caché où à peu près quand ça part en fusillade pour savoir où est-ce que je dois me retrancher? Ouais, bah moi je me cache généralement là, je tire la tirette là, et après le mur il s'ouvre. Je t'ouvrirai au besoin, je l'ouvrirai pas. Normalement, si vous cachez derrière les bombes là, il y a moyen qu'ils tirent pas de peur, même si c'est des fausses. Oh là là, regardez le nombre de flics. Oh là là. Ah, une nouvelle personne. Oh, vous me cherchez? Il y a mon garde qui m'a dit que vous me cherchez. Bonjour. Encore heureux qu'on vous cherche, c'est possible d'aller dans votre bureau? Bah, bien sûr. Vous autorisez à aller dans mon bureau si vous me donnez deux printers? On va rentrer nous-mêmes. C'est fermé, on a bloqué les printers. Ah, il m'a enlevé. Alors, c'est simple, monsieur le maire. Petit 1, vous rendez gentiment, on vous arrête en douceur. Oui. Petit 2, non, on vous arrête violemment. Oui. Et petit 3, bah, si vous nous tirez dessus, bah, vous serez mort. Bon, écoutez, je vais vous ouvrir. Parce que vaut mieux être arrêté gentiment que méchamment. Ça, c'est vrai ou c'est faux? Oh non. Alors, c'est qui tire maintenant? Hein? Oh, c'est qui? C'est par balle, vous pouvez me tirer dessus, je m'en fous. Alors, les bêtas. Oh, il est monté. Ta construction, elle est m***, McGarrett. T'as dit, regarde à la porte, monsieur McGarrett. Oh, je me cache à l'intérieur. Oh, y'a combien d'argent? 20 000! Oh lo 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 lo. Je suis déjà caché. Non, monsieur le maire, vous m'avez abandonné. Il est en train de se retirer dessus, Vraiment nul sa construction, ça je vous le dis, hein. Vraiment nul. Hein. Ok, moi je suis retranché avec mes printers. Regardez-moi comment je suis beau là, mon gars. Oh, bon bah il m'a. Eh, il a pas protégé longtemps. Je suis caché. Ok, il cherche partout. Il est en train de chercher partout. Il y a un peu trop de livres à mon goût là. Attends, hop. Hey, je récupère mon argent. J'adore lire. Bande de débiles. Ah, moi c'est sûr qu'il est toujours là. Si vous cachez, monsieur le maire, à votre conseil, je me rendrai. Hein. Ça, si vous voulez mourir. On peut essayer de défoncer toutes les bibliothèques là. Oh non. Des printers là par là-bas là. Oh non, les batteries. Oh, ça se fait pas. Oh. Odo. Parce qu'il faut qu'ils fassent un mandat à mon nom, ils sont bêtes. Ah. Oh, ils ont trouvé mon print. Comment ils ont trouvé mon print? Oh non, McGarrett. J'ai vraiment peur. Hein. Ici. Je rafale. Alors là, mon pote, je rafale. Regardez, il y a un petit espace là sur le côté. Là, vous voyez, un petit espace léger. Oh, un mort. Reculez bien. Attends, je récupère mon argent avant tout. C'est bon, je me suis caché au-dessus de mon argent. Je me suis caché dans mon fric. Vous pouvez ouvrir celle du dessus aussi. Ok, là, bande de saligots de policiers. Salut. On a Mega qui 47 là. Oh, dans le pied. Salut. Oh, dans le gros yep. Oh, dans le gros yep. Oh, le yep. Ok, là, je reload. Oh, le sac. Mère battue.
Oh mes printers, non mes printers. J'éteins pas celle-là. Merci oui, d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un like et de rejoindre le nouveau Discord secret de mon projet. Les gars, vous allez kiffer. Ciao.